promis à Ciri que tu t'entraînerais avec elle. File, avant que Vézémir la fasse mourir d'ennui avec ses graves. Que Ciri pourrait passionner un peu. Ce serait contre-productif et pas très raisonnable. Donc là, on a différents choix. Bon, allez, hop. Tu m'as manqué énormément. Moi aussi. Mais nous aurons bien le temps de nous retrouver plus tard. Va t'entraîner avec elle. Et puis reviens-moi. D'ici là, j'aurai eu le temps de me préparer. De toutes les femmes que j'ai connues, tu es bien la seule qui se prépare avant d'eux. Tu en as connu beaucoup? Quelle importance. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Sorceleur dort comme une bûche, et Ciri s'est encore volatilisé, bien sûr. Donc Ciri, c'est la fille adoptive de Gérald. Et on l'a pas beaucoup vu dans le 1 et le 2, on voit pas du tout d'ailleurs. Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie. Toi, vieux sage, tu t'endors pendant tes propres leçons maintenant? Bon sang, je lui faisais prendre des notes sur Ghoul et Al-Ghoul. Je voulais juste me reposer les yeux. Lui fait lire ce pavé. Pas étonnant qu'elle se soit éclipsée à la première occasion. John de Brugge manque de style, certes. Mais c'est un auteur fiable. Pas comme les jeunes sots publiés de nos jours. Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas? Je lui ai répété 100 fois de ne pas s'entraîner seul. C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes. Bon, amène-la-moi dans la cour inférieure. Si mademoiselle veut s'entraîner, on va l'entraîner. Alors...
partie ma faute, j'imagine. Mais il faut que ça cesse, et tout de suite. Tuer des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère. Ciri va devoir le comprendre si elle veut devenir l'une des nôtres. Je t'attends. Je vais essayer d'être gentil, parce que j'ai envie d'avoir... Enfin, je vais essayer de pas trop vous spoiler, mais je préfère être gentil. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner. Va. À ton avis. Bien, enlève ton bandeau. Tu dois encore travailler. Les réflexes sont trop lents. Pour un sorceleur, peut-être. Tu crois que les noyeurs ou les striges prendront des gants avec toi parce que tu n'as pas subi les mutations? En attendant, c'est surtout de Vesemir dont tu devrais avoir peur. Lui désobéir, c'est rarement une bonne idée. Oui, c'est vrai. Ce livre, quelle barbe! Je sais, et tu sais très bien que ce n'est pas une excuse. Pardon, ça n'arrivera plus, c'est promis. Alors... Les excuses ne suffisent pas. Tu vas lire Ghoul et Al'Ghul, de la première à la dernière page, y compris les appendices. Oh, pitié, pas ça! Je préfère encore nettoyer les écuries. Et c'est non négociable. Bien, on va s'entraîner avec les autres. On passe par les murs ? Bah je vais le passer parce que de toute façon... Crois-moi, il vaut mieux... Je connais à peu près comment faire. Puis c'est long. Savoir est une arme au même titre que l'épée. Si tu es incapable de distinguer une ghoul d'une Al'Ghul, tu... L'Al'Ghul se caractérise par des rayures similaires à celles de la panthéra tigrise de Zerikania et par la pâleur maladive de son visage. Tu as donc lu le chapitre en fin de compte. Mais tu aurais dû me demander la... Tu dormais, oncle Vesemir. J'avais lu le chapitre. Pourquoi n'as-tu rien dit? Si un avantage se présente à toi, ne te précipite pas dessus. Attends le moment idéal pour en profiter. Oncle Vesemir dans le texte. Tu apprends vite, c'est bien. Mais tu es une vraie diablesse. Bon, assez parlé. Gérald, avec moi. Lambert, avec Esquel. Ciri, avec le mannequin. Encore? Cesse de râler, déprends une épée. J'ai quand même les combats. Attends-le. J'imagine. D'abord les fondamentaux ou on passe directement à l'entraînement. Alors. Bah, je vais le passer aussi. Assez de révision. Entraînement libre. Donc ce jeu il est vraiment long. Je crois que j'ai une centaine d'heures sur celui-ci. Casque.
Siri. Chambre d'hôte, Guerre Moraine. Je prenais un bain et à côté de moi il y avait. Triss. Yennefer. Bizarre, non? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Mais dans mon rêve, tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds? Pas de doute alors. C'était bien elle. Il me semble que Yennefer, on la voit que dans le 3. Oui, je n'en doute pas. Ce n'est pas ce qui m'inquiète. Maîtrise, ouais, elle est dans le 1 et le 2. Comme le vent par monts et par vaux, presque sans s'arrêter. Elle est pressée d'arriver quelque part ou fuit quelque chose. Dans les deux cas, ça sent les ennuis à plein nez. Je serais surpris qu'elle n'ait pas de problème. Elle trempe constamment dans des intrigues de cour et des conspirations de mages. Tu t'attendais à quoi? Je ne sais pas. J'ai cru qu'une fois réunis, le calme s'installerait. Du moins pour un temps. Le calme avec Yennefer. Bon courage. Dans mon rêve, je retrouvais Siri et je m'entraînais avec elle. Ce petit diablotin. C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides. Mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve, tu disais que c'était un cauchemar? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Siri. Moi, j'étais immobile, incapable de bouger ainsi. Ce n'était qu'un rêve, Gérald. Donc, Gérald, il est... Il souffre d'amnésie. Il a oublié pas mal de choses dans son passé. Puis toujours, chaque fois que Siri apparaît dans un de mes rêves, c'est qu'elle est en danger. Nous lui avons appris à se défendre. Elle ne craint personne, pas même les spectres. Le soleil va bientôt se... Montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. Après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la groseille à Macron. Je croyais que tu voulais la lire. Yeah.
aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce post-scriptum ? J'ai encore la licorne. Alors, bon, pour ceux qui ont joué, ils auront de quoi ils parlent. On vous a servi lors de situation délicate, mais bien sûr. Les jeunes de nos jours. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'inventions ? 2 ou 3 jours, pas plus. La piste est encore fraîche, mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, de la mer. Attends. Tu les sens. C'est cool. Mais laissent toujours des nécrophages dans leur sillage. Filons avant que d'autres ne surgissent. Hop, on va faire du petit poney. Je t'ai déjà parlé de ce mage qui considérait les nécrophages comme des créatures utiles. Pourquoi ? Parce qu'on peut faire des potions avec leur sang. Non. Soi-disant parce qu'en... Maintenir mage gauche. Où est-ce que je vais ? Ah d'accord. Il lui a dit qu'il mange aussi les vivants. Oui, ça ne lui a pas plu. Sa belle théorie est ouverte. La guerre tourne mal pour nous. Nous ? Les royaumes du Nord. Les royaumes de Radovid, tu veux dire. La Téméria est bien. Alors, à ce qui paraît... Radovid a promis de restaurer... Il y aura un film de The Witcher dès que la guerre sera terminée. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Quelque chose, non ? Sinon, à quoi bon vivre ? Ouais, je vais rester galopé. Par les dieux, c'était bon. Avec de la chance, oui. Notre cheval est mort rapidement. Mais les griffons aiment jouer avec leur peau. Très rassurant. Vous, le pauvre. Vous attendez une récompense, j'imagine. Ah bah oui, je veux beaucoup d'argent. Je suis gentil. Voilà. Inutile de nous remercier. Sorceleur sans cœur, qu'il ne lève pas le petit doigt sans une prime à la clé. Ben non, c'est faux. On dit aussi que les souris naissent de la paix. Alors, la piste, comme je te disais, elle rejoint la grande route. Et vous cherchez quelqu'un ? Yennefer. Oui, une femme, taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose ? Non ? Il y a une auberge à Blanchefleur, la seule de la région. L'aubergiste est ma cousine.
Dites-lui que vous venez de la part de Bram. Vous serez reçus comme des rois. Pourquoi pas? On en profite. Oh, c'est juste une égratignure. D'un autre côté, je dirais pas non. Allons-y. Bon, perso, je le préfère avec sa cuche là. Et ses cheveux rasés sur les côtés. Parce qu'on pourra choisir après. Si on veut mettre une barbe. C'est près du village. Ou si on veut changer de coiffure. Dis donc. Ça, c'est cool. Dans une forêt ou dans les montagnes, je ne dis pas. Mais ici, si près de la grande route. Il a peut-être été attiré par la mer. L'odeur des cadavres, du sang, de la chair brûlée. Ça a fait perdre la tête à plus d'un monstre. Et à plus d'un homme, redoublant de prudence à mon cheveu. Cette terre, je pense. Du coup, ils sont un peu oppressés. Je vois pas avec ces saloperies de mutants. En général, ils sont mal vus, les sorceleurs. Désolé pour cette bande d'apprentis. Vu qu'ils ont des pouvoirs un peu bizarres. Pour l'habitude. Les gens sont nerveux. Les armées vont et viennent, et pour couronner le tout, il paraît. Oui, on a croisé ça. Nous avons croisé votre. Bram ? Il est vivant. Il vous passe quoi ? Maître sorceleur, buvez et mangez tout. Ah, merci. Je cherche une femme. Cheveux noirs, les yeux violets. Et ça va vous paraître étrange. Je ne l'ai pas vu et encore moins senti. Oui, en général. Cela dit, vous pouvez toujours demander au client. Ça vous coûtera rien d'essayer. D'accord, madame. Alors. Les affaires tournent bien. Tout le pays est en marche. Certains vont rejoindre leur famille, d'autres fuient la guerre. Et tout ce beau monde a vécu. En somme, la guerre vous réussit bien. Oui, pour l'instant. Mais j'aimerais autant que la paix revienne. On ne sait jamais ce que la paix. Il y a un contrat pour vous ? Non, pas pour le moment. Autrefois, dès qu'un monstre s'installait dans la région, les chevins organisaient une collecte. Mais aujourd'hui, même plus pisser sans demander la permission des escadrons noirs. Dommage. C'est bête. On aurait pu vous aider. Mais qu'est-ce qu'il fait, cheval, derrière? C'est quoi ce bug? Merci. J'ai pas trop compris le truc du cheval. C'est la plaie. Je t'en prie, je peux encore me débrouiller tout seul. Dans ce cas, je vais me renseigner sur Yennefer. N'oublie pas qu'il voulut éviter d'attirer l'attention sur nous. Bah, bien sûr. Je vais être toute sage. Je cherche quelqu'un. Je vais les défoncer. Et nous, on cherche la paix. Dégage, monstre. Ton haleine va faire tourner ma bière. Alors, donc on peut utiliser des pouvoirs pour les amadouer.
passée dans le village il y a 2 ou 3 jours. Au grand galop, sans s'arrêter. Même qu'elle a renversé. Mais où est-elle allée? Je sais pas. Les traces s'effacent vite sur la grande route. Elle a pu aller n'importe où. Hé hey, les gars, un mutant a volé l'esprit de Mishko. Oui, et si vous continuez à beugler, je vous coupe la langue. Voilà, tais-toi maintenant. Je veux apprendre. Le savoir est plus important que la vie, et les vieux tomes poussiéreux ne peuvent étancher ma soif d'apprendre. Je veux voir l'invasion nilfgaardienne de mes propres yeux, la comprendre et en rédiger la chronique. Bonne idée. Allez-y. Et décrivez la guerre dans toute son horreur. Pas de bannière flottant au vent, pas de charges héroïques, mais des viols. Ah, vous n'avez pas l'œil d'un académicien, mon cher. Le viol et la cruauté sont des détails sans importance, de simples. Oui, bien sûr. Allez dire ça aux amis. La guerre a-t-elle atteint Novigrad? Non, mais ça ne saurait tarder. Nilfgaard sur une rive, la Redania sur l'autre. Un os qui pourrait bien leur rester en travers de la gorge. En effet. À Novigrad, nous n'avons jamais hésité à prendre les armes pour défendre notre unité. Surtout les érudits. La connaissance est une arme tout aussi efficace que l'épée. Ce sont les architectes de notre académie. Au revoir. En fait, c'est pas avec lui qu'on fait une partie de Quint. Ah si. Vous êtes à Novigrad. Peut-être connaissez-vous le Quint. Non, et je n'ai pas vraiment. Me fais pas chier. J'avoue que ça me saoulait un peu au début, le Quint, mais en fait, c'est pourquoi fun. Pourquoi pas? Quand tu comprends bien. Alors voilà, c'est assez. Non, je connais déjà. Alors, enfin, je connais vite fait, quoi. Bon, allez, je vais faire.
d'avoir que des cartes comme ça, ça me va. Alors je ne sais pas comment on part.
aller interroger les gardes, les neuf gardiens. Donc il y a pas mal de quêtes ici. Ah bah il y a la pancarte et tout. Demi-siècle que j'y vis. Je finis par croire qu'on m'accepterait. Et tout a changé quand les escadrons noirs sont venus. Dans l'unique. Les gardiens m'ont pas payé un sou. Juste fourni les matières premières. Et les commandes. Les humains, ça les dépasse. S'imagine que je me suis enrichi sur leur misère. Que je dors sur un tas d'or comme un foutu dragon. T'es raciste. Je me charge de trouver votre incendiaire. Reste pas lourd. Ramenez-moi cet enfant de putain et je vous donne tout. Lui de l'incendie, j'ai entendu bouger autour d'elle. Je suis sorti pour tâcher de trouver des traces, mais rien. Ah oui, en plus, on peut. J'ai pas de Yucha. Enquêter avec les Yucha. Bonne chance. Je vais suivre, je vais essayer de trouver celui qui a fait ça. Trace de bottes.
Ça peut te foutre. Pyromane et charmeur en prime. Suis-moi. Le forgeron veut te parler. Un nom humain? Pas question. C'est des salauds. Et les nains, c'est des pires. Capables de tout. Écoute, je veux s'arranger. Un peu résistant. Mais, et tu me dénonces pas. Mère est morte récemment et j'ai vendu ses outils. Oh non, ça marche pas comme ça avec moi. Moi je suis clean. Les nains sont peut-être pas beaucoup bien. Moi, n'achète pas. Alors je vais te fracasser le crâne. Oh oh. Allez. Tout doux. Maintenant suis-moi. Suis-moi et tais-toi. Soldat, vous avez une minute? Non, Willis. Oh, j'étais sous. J'avais plus. Je vous l'ai déjà dit, maître Willis. On vous aidera à rebâtir dès que les renforts arrivent. Les matériaux. Il s'agit d'autre chose. De lui, là. C'est lui, là. Cette forge était vitale pour la garnison. La détruire s'assimile à du sabotage. Pas besoin de jugement. N'importe quel arbre fera l'affaire. Oups. Ça tout à l'heure. Non, je sais pas. Bon, je vais aller chercher des fers. Les empereurs, ils sont fous.
parler de la brigade Riot. Mais eux, c'est un peu les méchants, enfin, les méchants. Terrain militaire. Façon de parler. Autorisation express du commandant. Honnêtement, j'ai l'air d'un villageois. J'avais l'air louche, sûr. Vraiment. J'ai jamais vu. La sorcellerie. Capitaine Peter Saar Winlev est dans la tour. Chut. On sait que le capitaine. Je suis soldat nordien. La tour, c'est pas. Ça suffira. Marché conclu. Mais je veux en voir la couleur rapidement. Oh, merci, messire. Merci. À part les chevins. Dictature. Pour des chevins, Willis le Fougeron. Ben, c'est pas mal, parce qu'on va dire. Vous êtes un poil trop loin. Ah bon. Ça se voit pas. Je cherche Yennefer de Wengerberg. Où est-elle partie? C'est un secret militaire. Pétard. Vous m'avez pas encore jeté dehors, pas plus que vous m'avez appelé vos pères. Il y a un griffon qui terrorise la région. Tuez-le. Est-ce que vous gagnez? Je suis responsable de ça. J'ai déjà 10 victimes sur les bras. Donc, pour chasser ce monstre, il faudrait que je mobilise toute ma garnison pour une bataille. Et c'est tout simplement impossible. Quoi? Ce serait trop fatal. Non. Trop risqué. Je ne peux pas disperser mes forces. Nous avons peut-être vaincu l'armée de Temeria, mais la populace ne demande qu'à se soulever contre nous. Alors ce griffon, je peux l'y. Marché conclu. Au début, il rôdait surtout dans le bois vu pas. J'ai envoyé une patrouille de 5. Depuis, les attaques se sont multipliées. Ça veut dire qu'il a abandonné sa dernière. Je vais devoir... Avoir votre tête, ça ne sera pas une partie de plus. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce griffon. Son sexe. Vous voulez que je fasse venir des témoins? Non. Ils ne m'apprendront rien d'intéressant. Je vais aller jeter un œil à l'endroit où vos hommes sont. Comment s'appelle le chasseur qui les a retrouvés? Islam. Il vit dans une hutte au sud du village. Je vais avoir besoin de feuilles de nerprin pour l'attirer. Le griffon. Du nerprin. Je n'ai jamais entendu ce mot. Mais je parle encore mal la langue commune. Je vois. Vous avez certainement dû commencer par les bases. Il n'y a pas d'accent, mais c'est dommage. Filet, ce genre de choses. Non. J'ai commencé par les expressions populaires. Jouer avec le feu. Allez voir Tomira, herboriste. Elle habite près du croisement. Elle devrait pouvoir vous aider. Tomira et Misla. Asumia. Intendant bas de plafond. Oh, c'est qu'il a la langue bien pendue. On aura les bons dents. Ah ah. Simple curieux. Bah voyons. À propos d'équipement,
Merci. Adieu. Je crois que je vais arrêter là pour l'instant.